Au deuxième jour de notre séminaire au Togo sur les expériences spirituelles en Jésus-Christ, le Saint-Esprit a manifesté sa sagesse et sa puissance à travers le docteur Silas. Les enseignements ont été confirmés par un message prophétique, suscitant repentance et désir ardent de connaître Jésus. Une expérience glorieuse rappelant les temps des apôtres. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Chaque fille de l'esprit joue son rôle. Mais si on n'a pas le fruit de l'esprit, nous ne sommes pas spirituels. Ce n'est pas le nombre de temps de prière qui fait d'un homme un homme spirituel. Mais son attitude à se modérer, à être discipliné à soi-même, à appliquer à lui le fruit de l'esprit, ajouter à la prière, lui permettra de contrôler ses émotions et de faire le désir de la chair. C'est ça un homme spirituel. Tout commence par le fruit de l'esprit. Donc tout le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. L'esprit, veut opérer avec vous. L'esprit veut opérer avec vous. Ce que le Seigneur m'a montré est terrible. Très grand. Mais je ne sais pas si vous-même, vous êtes prêt à le supporter. Est-ce que vous le voulez supporter? Vous voulez supporter? Ce que vous avez fait maintenant, commencez à le cultiver. À le cultiver davantage. À le cultiver régulièrement. La dispensation prophétique de l'esprit pour des expériences glorieuses. Le Seigneur répand sur son peuple un esprit de gloire. Un esprit de gloire. Le Seigneur répand sur son l'église. Un esprit prophétique de gloire. C'est cet esprit prophétique qui révolutionnera, la vie de chacun. Qui révolutionnera votre vie. Tous ceux qui avaient l'onction prophétique dans l'Ancien Testament étaient ceux que Dieu utilisait à opérer, à faire des grandes choses. Et l'esprit est descendu au jour de Pentecôte. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça l'esprit de la prophétie. Avant, tout le monde n'expérimentait pas les choses glorieuses. Avant de l'Ancien Testament, ce sont des personnes particulières que Dieu choisit. Dieu est-il juste en choisissant quelques personnes dans le peuple pour faire vivre et pour les faire vivre les expériences spirituelles au-delà, parce que ces choses étaient l'ombre des temps à venir dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Eux sont le type de la vie que nous menons aujourd'hui. Ainsi, le Seigneur annonce aujourd'hui que la dispensation de l'esprit va agir en toi. L'esprit mouvera davantage si vous lui laissez la place. L'esprit va mouver. L'esprit mouvera en vous. Vous verrez l'esprit vous accompagner. L'esprit agit en vous. Parce que maintenant, vous avez son fruit. Il voit en toi son fruit. Dis à ton frère, dis à ta soeur, l'esprit voit maintenant en toi que tu as son fruit. Tu as son fruit. Maintenant que tu as son fruit, tu pourras agir par l'esprit, en esprit ou l'esprit. La volonté de Dieu est que nous puissions agir en toutes choses par l'esprit. Nous pouvons agir en toutes choses en esprit et pour l'esprit. Par l'esprit, en esprit et pour l'esprit. En esprit, par l'esprit et pour l'esprit. La vie chrétienne, là, c'est une vie de l'esprit. La vie chrétienne, une vie de l'esprit. Le culte est spirituel. Et c'est la vie, les expériences
La vie chrétienne est continuellement basée sur des expériences. Longtemps tu as suivi les témoignages des grands hommes de Dieu. Quand tu as suivi les témoignages des hommes de Dieu qui font des expériences spirituelles avec Jésus. Ou bien tu as fait le témoignage des soeurs sur YouTube. Oula, c'était son faux. Je ne parle pas ici des faux. Mais tu as donné des témoignages qui l'ont touché. Et tu as dit, mais comment ces personnes vivent ces choses avec Jésus? Ou bien, Jésus a dit de préparer ton cœur à vivre ces choses. C'est pour répondre sur vous ce soir. L'esprit prophétique. Le Saint-Esprit répond sur vous ce soir. L'esprit prophétique. Saint-Esprit a dit d'agir. Saint-Esprit a dit d'agir maintenant. C'est l'esprit prophétique. Saint-Esprit prophétique, c'est quel esprit? C'est l'esprit qui conduit l'homme à vivre l'expérience spirituelle avec Dieu. Saint-Esprit est l'esprit qui apparaît à l'homme et qui fait révéler à l'homme les conduites à suivre pour être agréable à Dieu. C'est cet esprit qui vient que nous appelons le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui est la sagesse. C'est cet esprit qui est l'intelligence, qui est la connaissance. C'est cet esprit qui est le conseil. C'est cet esprit qui est la force. C'est cet esprit qui est la clé de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique et les six autres esprits. Et ça veut dire cet esprit de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est question de sept esprits de Dieu. Bien-aimé, veux-tu être avec les sept esprits de Dieu? Les sept, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur active en vous l'opération de cet esprit. Le cet esprit prophétique de Dieu commence par travailler en vous. Travaille en vous maintenant. Le Seigneur dispense cet esprit dans cette église. Actuellement que je parle, cet esprit a été répandu dans cette église. L'esprit est déjà sur terre. Mais vous n'avez pas entendu expérimenté. Il le dispense.
Le signe de ce refait travail. Il ouvre des yeux, maintenant. Il ouvre des yeux. Pour voir les choses spirituelles. Pour expérimenter des choses spirituelles. Il ouvre des yeux.
même au fond du cœur les ténèbres. Est-ce comme ça est votre père? Est-ce à cela que je vous ai appelé? Je vous ai appelé à manifester mon amour, à vivre dans mon amour. Qu'est-ce que vous montrez au monde quand vous sortez de ma maison? Quelle différence y a-t-il entre vous et le monde si les ténèbres se trouvent dans vos cœurs? Vos cœurs sont remplis de ténèbres, de rancune, de persécution. Repentance, 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 repentance. Car je n'agis pas dans les ténèbres. Je suis venu parce que vous avez dit la vérité. Ma vérité, c'est ma parole. Et je suis ma parole. C'est pour cela que j'ai agi. Mais au fond de vos cœurs, vous ne vous aimez pas. Si tu n'aimes pas ton frère, mais tu dis tu aimes ton Seigneur, tu es menteur. Tu es menteur. La réconciliation, l'amour, l'union avant tout. La réconciliation, l'amour, l'union avant tout. J'ai dit, si tu veux offrir quelque chose sur mon autel et que tu as problème avec ton frère, dépose ton offrande, va te réconcilier avant de revenir. Pourquoi? Ah, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Répentez-vous, répentez-vous. Je vous appelle à l'amour, à la réconciliation, à l'union. Mon église vit dans la persécution. Mon église vit dans la persécution. Montrez l'amour à ceux qui ne vous aiment pas. Aidez-leur à comprendre ce que c'est que l'amour. Je suis le Dieu des esprits des prophètes. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. S'il y a la rancune, la persécution, et vous demandez les dons spirituels, j'imagine si je vous les donne, vous allez l'utiliser pour vous faire du mal. Répentez-vous, 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 répentez-vous. Et tout ce que vous voulez vous sera donné. Ma parole, ma parole, ma parole agit toujours. Ma parole agit toujours. Mon message pour vous, mes enfants, car je suis au milieu de vous. Gloire à Jésus. L'esprit de prophétie est là, comme je l'ai toujours depuis. L'esprit de prophétie, c'est lui qui agit ce soir. Parce que nous devons vivre les expériences spirituelles et glorieuses en Jésus. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec vous. Et je vous ai dit hier par l'esprit que l'amour est l'avion qui vous fait décoller spirituellement en Jésus. La sagesse est le carburant de cet avion. L'humilité, si l'amour est la sagesse, ou mais si l'amour est l'avion, la sagesse est le carburant de Jésus est le pilote. La piste de décollage, c'est l'humilité. Alors mettez, vous demandez au Seigneur de vous briser de cette reine, de cette jalousie, de cette dispute, de tout ce qui agit en vous, qui empêche au fruit de l'esprit. Sans le fruit de l'esprit, là, vous ne pourrez jamais vivre des choses spirituelles. Hier, nous avons dit que les dons de l'esprit, n'est pas l'essence, ce qu'on demande premièrement à Jésus. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas les dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, tes dons seront comme Dieu. De l'orgueil. Alors, passe un moment et demande au Seigneur pardon. Réponds-toi au Seigneur. Hier, nous avions fait cela. Ce matin, et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez le faire. Pour nettoyer vos esprits, pour que le fruit de l'esprit arrive. C'est dans l'humilité. Je vous ai dit que l'humilité est la piste de décollage de l'avion. L'humilité. L'humilité, c'est aussi la repentance. C'est aussi le fait de se livrer. Jésus, je ne connais rien. Jésus, je ne suis rien. Jésus, je ne peux rien. C'est toi qui es ma force. Alors va à sa présence et demande au Seigneur, par humilité, d'enlever l'orgueil de toi, d'enlever l'enrichissement de toi, d'enlever l'orgueil de toi, d'enlever ce qui n'est pas le fruit de l'esprit en toi, de l'enlever. Prie au nom de Jésus. Thank you.
Le fruit de l'esprit est le point de départ de la spiritualité en Jésus. C'est le point de départ, le fruit de l'esprit est le point de départ de toute spiritualité. Le réveil n'est pas d'abord don spirituel. Beaucoup se sont attardés à la recherche des dons spirituels et ont oublié le réveil. Qui dans l'éveil, c'est le fruit de l'esprit. Moi aussi, je ne comprenais pas cela. Et à un moment, je pensais que c'était le don spirituel. Non, c'est d'abord le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui te donne la vie de Jésus. C'est le fruit de l'esprit qui te donne le témoignage de Jésus. C'est le fruit de l'esprit qui te donne parmi le monde le témoignage de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Si tu as le fruit de l'esprit, tu as Jésus. Si tu as le fruit de l'esprit, le Seigneur verra vers toi des anges, des millions d'anges viendront vers toi, des esprits des justes, des anges viendront t'entourer, C'est le fruit de l'esprit qui témoigne que tu es la crise de Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui témoigne que tu es la sagesse, que tu es la connaissance, que tu es l'intelligence, que tu es le conseil, que tu es le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame le Dieu des esprits des prophètes.